Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, j'ai invité en fait Philippe dans le cadre d'une première. Donc, merci à Philippe d'avoir répondu à cette invitation. Donc, en fait, j'ai proposé à quelques enseignants qui font partie du collectif de la cartographie des talents pédagogiques de venir témoigner en fait auprès des membres et auprès des curieux sur un aspect de leur pratique pédagogique. Et donc, Philippe a accepté bien volontiers de participer à cette première expérience. Donc voilà, merci Philippe et puis je te passe la parole. Merci beaucoup Nathalie, merci à toi aussi pour cette proposition, même si tu ne m'avais pas dit au début que j'étais le premier, donc je découvre aussi, mais en tout cas je suis très heureux de participer à ce webinaire et d'organiser un petit peu ce webinaire. Alors, comme le temps nous est compté, je vais tout de suite passer sur une petite présentation personnelle, ensuite je ferai un tour de l'état de l'art de la recherche que nous avons mise en œuvre au niveau de l'Université Paris-Est-Créteil. Et ensuite, je ferai un focus sur deux projets, le projet EduTeam qui se décompose en deux sous-projets. Voilà. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne. Donc là, normalement, vous voyez la petite présentation associée, donc avec le logo. Et puis, d'un côté, vous voyez où j'enseigne, donc à la faculté d'éco-gestion, et plus particulièrement dans le département, qui est dans un de ces départements, le département de gestion qui est lié à Gustave Eiffel. Et puis, côté recherche, donc je fais partie de l'Institut de recherche en gestion, et plus précisément d'une équipe de recherche qui s'appelle MACA Management. Alors, cette équipe de recherche est pilotée par l'IRG, mais internationale, puisque nous avons des amis québécois, marocains et notamment belges. L'idée, c'est de travailler sur des méthodes alternatives, pas forcément innovantes, mais en tout cas alternatives, pour la formation de nos étudiants en management. Voilà l'idée. Donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn si vous voulez par la suite continuer à échanger. Alors, ces enseignements et ces recherches se réalisent généralement dans un Fab Lab qu'on a imaginé et mis en œuvre depuis 2015, qui s'appelle le GameX Lab. Donc, le GameX Lab, c'est un Fab Lab qui accueille les expérimentations pédagogiques et plus particulièrement les expérimentations ludopédagogiques, puisque ce Fab Lab détient une ludothèque et on imagine avec les étudiants, ils sont toujours intégrés dans les projets comme vous verrez plus loin, on imagine des méthodes ludopédagogiques pour enseigner au management, mais ça peut être d'autres domaines, puisque le Fab Lab est dans une école d'ingénieurs, localisée dans l'école d'ingénieurs de l'UPEC, et donc on peut avoir aussi des collègues informaticiens qui viennent réfléchir avec nous sur l'intégration du jeu dans leurs enseignements. Alors, je vais faire un point maintenant sur l'état de l'art de la ludopédagogie. Alors, pas tous les domaines, mais en tout cas, je souhaite vous présenter rapidement les 9 techniques ludopédagogiques que nous avons identifiées dans le groupe, au niveau du groupe MACA, mais plus largement depuis 2010, puisqu'il y a eu différentes instances, informelles ou formelles, qui ont travaillé donc sur la ludopédagogie, notamment le groupe de l'AIM, qui a travaillé de 2013 à 2016 sur les serious games et autres, et qui a produit deux numéros spéciaux de revues scientifiques. Donc, très rapidement, quelles sont ces 9 techniques ludopédagogiques? Alors, nous avons, donc je vais aller très vite, hein, mais je souhaite quand même les indiquer pour qu'ensuite ce soit plus clair sur la présentation des projets. Donc, nous avons les simulations gamifiées. Donc, une simulation gamifiée, c'est ni plus ni moins que la vie réelle à laquelle on rajoute des éléments de gamification, hein, qui sont les points, les classements, etc. Donc là, vous voyez, hein, vous avez les business games à gauche, et puis à droite, une simulation d'entretien. Mais globalement, c'est la vraie vie avec des points. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les pratiques pédagogiques gamifiées. Donc là non plus, on n'invente rien. Hein. C'est tout à fait, c'est déjà mis en œuvre dans les cours. Eh bien, c'est simplement nos bons points ou nos images qu'on gagnait quand on était à la maternelle. Et pour les enseignements supérieurs, eh bien, c'est les challenges qu'on peut faire. Vous avez l'application Classcraft, hein, qui permet aussi de mettre un petit peu de jeu de rôle
dans les classes. Et puis là, vous avez en bas le hackathon, hein, qui est finalement une pratique gamifiée, puisqu'on met en concurrence plusieurs équipes. Ensuite, nous avons ce qui s'appelle, ce qu'on connaît bien depuis 2010 aussi à peu près, ce sont les Serious Games. Alors, les Serious Games, hein, ce sont des outils, numériques ou pas, maintenant ça a bien évolué, qui répondent ou qui ont été conçus pour répondre à une problématique pédagogique particulière. Donc, le Serious Game est conçu pour répondre à une dimension pédagogique, contrairement au Serious Gaming, qui, lui, eh bien, se profite de la profusion vidéoludique actuelle et donc utilise des jeux existants. Donc là, vous voyez deux types de jeux, des jeux de rôle dont on parlera tout à l'heure, et puis d'autres jeux avec des équipes en compétition. Alors, vous voyez le mot intégral. Intégral, ça veut dire qu'on utilise le jeu à l'identique de sa version ludique. On ne le modifie pas. On peut l'utiliser en l'état, directement dans un cours. Alors, quand je dis en l'état, c'est un peu réducteur, hein, puisqu'il y a toute une dimension didactique, pédagogique qui se met en œuvre. Mais le jeu en lui-même, l'artefact, on l'utilise à l'identique. On garde les mêmes règles, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intégral. Et donc, vous imaginez bien qu'il y a le partiel, où le partiel, eh bien, les jeux que l'on intègre en cours, on va les modifier pour qu'ils s'adaptent plus facilement aux enseignements. Donc là, vous avez deux cas. Vous avez les Lego en bas à gauche. Donc là, les Lego Serious Play, c'est une méthode de créativité, d'innovation. Et puis, plus parlant, peut-être vous avez Minecraft en haut à droite, où là, on voit Minecraft Edu. Hein, donc c'est, bon, tout le monde connaît Minecraft. C'est un Lego virtuel qui permet d'être multijoueur, hein, dans un monde totalement infini. Et puis, il y a une version éducative. Alors ça, c'était Minecraft Edu, mais maintenant, on a Microsoft, hein, qui a racheté Minecraft et qui fait aussi une version éducation. Et là, vous voyez donc des étudiants qui, au sein d'un cours de gestion de projet, eh bien, essaient de reproduire, pour le coup, du patrimoine français. Et là, on intègre un cours de gestion de projet autour de ça. Voilà, donc là, le jeu a été modifié, Minecraft Edu, pour permettre à l'enseignant de mieux piloter le jeu et notamment de faire des pauses, hein, quand on a besoin de faire des débriefings. Ensuite, nous avons le Learning by Game Design. Donc là, vous avez une image qui rend compte de cette mise en œuvre lors d'un cours de système d'information, pardon, à l'Université Cergy-Pontoise, où là, les étudiants devaient concevoir un serious game, 4 serious games pour le coup, sur une thématique chacun. Et là, l'idée n'est pas de jouer avec les jeux, mais d'apprendre en concevant. On sait très bien qu'il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre qu'en souhaitant transmettre les connaissances. Et donc là, le travail a été fait dans la recherche documentaire pour produire ces jeux. Après, bien sûr, on a essayé de jouer avec, hein, mais l'idée était vraiment de concevoir des serious games et donc d'aller chercher l'information et de la didactiser quelque part pour la mettre dans les serious games. Donc là, le cours, les 24 heures de cours ont servi à la conception du jeu, et puis la dernière journée, les étudiants ont joué sur les jeux de leurs camarades. Ensuite, on a la ressource prétexte. Alors la ressource prétexte, c'est pour attirer nos étudiants sur des cours qui seraient peut-être un peu moins fun au départ. Et là, vous avez ici deux cours de programmation. Donc, pour apprendre la programmation Java à gauche et Lua à droite. Et là, l'idée, c'est de proposer les univers oniriques, fantastiques des jeux, pour attirer les étudiants et leur faire travailler du langage de programmation dans des univers attrayants. Ensuite, on a l'apprentissage ludique incident. Donc là, c'est totalement informel. C'est ce que les joueurs vont apprendre et qu'ils pourront transférer dans leur monde ensuite professionnel. Vous avez World of Warcraft, où il n'est pas rare de voir des étudiants qui pilotent des guildes complètes, hein, des équipes complètes, et donc qui utilisent des compétences managériales. Et puis là, vous avez à droite, Hacknet, qui est un jeu pour découvrir le hacking. Donc là, le jeu n'est pas en classe, il est informel, et ce sont vraiment des connaissances et des compétences que les joueurs apprennent en dehors des cours. Idem pour le metagame, hein, donc là, même si vous voyez des cours qui ont été réalisés ici de découverte de l'aéronautique et de découverte du transhumanisme, eh bien, en fait, l'apprentissage se fait après par, on va dire, curiosité. Les étudiants vont aller chercher plus d'informations pour découvrir
le monde, l'univers du jeu. Alors, voilà un petit peu rapidement brossé les 9 techniques ludopédagogiques que nous avons identifiées. Vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est que le serious game, hein, qui fait un petit peu le buzz depuis des années, eh bien, n'est qu'une technique parmi les 9. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il n'y a pas de technologie associée. Toutes ces techniques peuvent être mises en œuvre avec des jeux vidéo, des jeux de société, des jeux physiques, des jeux hybrides. Et puis, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est très réducteur de présenter de cette manière, hein, puisque en fait, l'intégration d'activités ludopédagogiques dans un cours, eh bien, comme toute activité pédagogique, nécessite tout un dispositif préalable en amont et en aval, et notamment les débriefings. Hein, les débriefings qui sont des activités qui peuvent durer parfois aussi longtemps que l'activité en jeu réel. Donc, globalement, qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est que le jeu permet de créer ce qu'on a appelé des espaces d'apprentissage expérimentaux décontextualisés, globalement entre deux aspects. Les espaces d'apprentissage hors sol, hein, les cours un peu théoriques, mais contextualisés, la connaissance elle est contextualisée, les domaines, les études de cas, etc., elles sont contextualisées. Puis, d'un autre côté, vous avez les espaces d'apprentissage situés contextualisés, ça peut être l'apprentissage, ça peut être les stages, mais ça peut être aussi justement des hackathons, par exemple. Et puis au milieu, on a cette dimension. Et ce qui est intéressant, c'est que l'univers des jeux permet de décontextualiser l'apprentissage. Et du fait de décontextualiser l'apprentissage, c'est-à-dire d'être dans un univers fantastique, fictionnel, eh bien, va autoriser les étudiants à un lâcher prise qui va être très bénéfique pour l'apprentissage, que ce soit pendant le jeu, comme je l'ai dit, en jeu, mais aussi lors des débriefings et des remédiations. Hein, donc, effectivement, là, vous voyez ce que j'ai mis. Donc, ça permet de désinhiber les étudiants face au savoir et de réduire, supprimer les routines qui peuvent être déjà ancrées dans les étudiants ou l'étudiant a aussi envie de faire plaisir pour répondre à la bonne question. Là, vous les mettez dans des situations de gestion puisque c'est quand même en sciences de gestion que ce travail a été globalement mené. Et puis, vous voyez tout de suite que les étudiants lâchent prise et puis vous arrivez à des situations très importante, ou en tout cas des situations que vous souhaitez faire naître pour ensuite être discutées dans les debriefings et lors des remédiations. Super. Alors, Philippe, oui. Juste, on avait convenu, il te reste 5 minutes de présentation. C'est parfait. Donc, je vais aller maintenant sur deux exemples très précis de projet. Alors, c'est un même projet en fait qui s'appelle EduTeam. Qui a eu deux dimensions, donc JDR pour jeu de rôle et puis Wargame. Donc on a intégré cette année et l'année précédente expérimentalement, et cette année c'est vraiment en cours, donc en cours d'anglais et de management pour des niveaux donc, de deuxième année et de troisième année de licence. On a mis du jeu de rôle, alors là c'est un jeu de rôle particulier, générique, mais voilà un petit peu ce que ça donne. Vous avez des étudiants et des étudiants qui sont totalement engagés dans l'activité managériale ou d'apprentissage en anglais. On a par exemple des productions écrites en anglais de 100 à 300 fois supérieures lorsqu'on demande à des étudiants de raconter l'histoire qu'ils ont vécue dans les jeux de rôle au lieu de raconter des histoires plus classiques qu'ils vivraient dans le monde normal. Donc là, vous avez aussi, bien entendu, et vous l'imaginez, en termes d'oral, vous avez des étudiantes et des étudiants qui parlent anglais. Ça ne garantit pas la qualité, mais nous, ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. On a envie que nos jeunes parlent et n'aient pas peur de parler. Et là, vous les mettez dans un monde fantastique. Pour le coup, ici, c'est d'Heroic Fantasy. Puis les étudiants se mettent à parler en anglais sans se soucier du jugement des autres et de l'enseignant qui pourrait les couper régulièrement pour leur indiquer des notions grammaticales. Ces notions grammaticales seront vues après en débriefing. Donc là, pour le coup, cette image-là provient d'un cours de management où là, ils devaient découvrir la différence entre du management et du leadership. Et il y avait un étudiant, on devine son ordinateur sur la droite, qui était observateur avec une grille de lecture théorique pour voir un petit peu comment se déroulait cette première expérience managériale pour des étudiants de deuxième année qui rentraient en deuxième année pour leur premier cours d'initiation au management. Vous voyez aussi la jeune fille qui est devant, derrière le paravent,
elle doit mener un jeu de rôle. Elle n'en avait jamais fait. Et donc, on a identifié des règles pour alléger fortement la complexité des jeux et être utilisé en une demi-heure ou une heure grand maximum. Et puis ensuite, vous avez les wargames. Alors, les wargames, je vous ai mis un exemple ici. Hein. Ce sont des simulations de conflits historiques ou fantastiques ou futuristes. Et là, l'idée, c'est de monter sur des populations plus grandes, parce que le jeu de rôle est limité, vous voyez, par une table de 5. Donc, si on a 25 élèves, ça fait 5 tables. Mais là, l'idée, c'est de mettre en confrontation plusieurs groupes ou des situations de gestion avec plusieurs dizaines d'étudiants. Donc là, le wargame permet ça. Donc là, vous avez, c'est un cours de management. Et voilà l'exemple. Alors là, les étudiants étaient très fiers puisque c'était la première séance réalisée dans un cours réel de wargame où ils simulaient une bataille historique de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y avait deux groupes. Enfin, le groupe, pardon, était divisé en deux, entre deux équipes. Et puis, ils devaient réaliser différentes missions. Alors, à noter que la dimension éthique de ces wargames est discutée avec les étudiants en amont et après, puisqu'effectivement, parler d'un conflit, ça peut être gênant, mais ça ne leur a pas posé de problème, hormis pour deux étudiants qui sont venus, suite à cette discussion, cette question, sont venus m'en parler après. Donc, c'est pour ça qu'on va se diriger peut-être sur des wargames qui sont style Star Wars, ou en tout cas qui sont sur des domaines peut-être plus culturellement neutres. Et donc, je souhaite terminer avec cette diapo qui vous montre donc trois colloques qui vont toucher à la ludopédagogie. Alors, ce n'est pas exhaustif, il doit en exister d'autres, hein, bien entendu, mais le premier est original, puisque vous voyez qu'il est proposé par le CHU de Rouen, qui est le premier colloque simulation sur plateau avec figurines. Donc, eux travaillent avec les Playmobil, mais pour simuler un plan blanc. Moi, j'espère présenter donc, ce qu'on fait avec les wargames, puisque les petits pions ici, hein, alors j'ai des petits pions, vous voyez ici, hein, ce sont aussi quelque part des figurines, mais plus abstraites. Vous avez ensuite le Science Games Forum, qui là aussi s'intéresse beaucoup aux wargames, qui se fera à l'école de guerre. Donc, vous avez vu le 27 janvier 2020. Et puis, vous avez le colloque Game Evolution, je co-anime avec Antoine Chollet de l'Université de Montpellier, qui se passera à Créteil les 14 et 15 mai. Et puis toutes les dimensions ludopédagogiques sont ouvertes. Si les deux premiers sont plutôt sur les figurines et les wargames, là, c'est toutes les dimensions ludopédagogiques sont acceptées. Et il y aura d'ailleurs une session qui sera en dehors des sciences de gestion et le colloque sera gratuit. Voilà, l'appel à communication a été lancé. Vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense avoir été à peu près dans les temps. J'espère que j'ai répondu à quelques questions et je suis prêt à répondre à d'autres questions. Donc, j'ai une question de mon collègue Julien qui te demande est-ce que tu crois également à la réalité virtuelle ? Alors, en fait, je viens un peu de ce monde-là, puisque avant d'être enseignant-chercheur, j'étais donc pilote d'hélicoptère dans l'armée et notamment dans un centre de simulation. Et donc, la réalité virtuelle, j'y crois bien entendu, mais il faudrait parler plutôt de la réalité mixte, de la réalité augmentée, de tous ces types de réalités étendues, hein, qu'on classe maintenant dans les réalités étendues. Il n'empêche que, là, vous voyez, je vous ai montré des jeux de plateau, des jeux physiques, et nos étudiants veulent du face-à-face. Hein. Contrairement à un mythe un petit peu actuel, on a questionné les étudiants depuis plusieurs années. Ils ne sont pas contre des dispositifs numériques, mais il n'y a rien à faire. Quand vous mettez 15 personnes autour d'une table, il se passe des choses qui ne se passent pas à travers le numérique. Donc, la réalité virtuelle, pardon, oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, Minecraft, comme je vous ai montré tout à l'heure, fait partie de la réalité numérique. Mais je pense que la réalité augmentée est plus intéressante puisqu'elle permet d'apporter des informations qui aideraient les apprenants dans des dispositifs réels. Tout ça est plutôt complémentaire qu'opposé. Et donc, oui, bien entendu, les réalités étendues, j'y crois, mais attention à ne pas oublier que dans des situations managériales comme moi je forme, les gens sont en face à face. D'accord, super.
Merci. J'ai Alcino qui a partagé un exemple d'utilisation d'un wargame en anglais. Alors, je ne sais pas, Alcino, si tu souhaites poser une question. En attendant que Alcino me réponde, moi j'ai une interrogation. Tu as cité en fait la pratique l'utilisation du jeu, notamment en anglais et dans le management. À tes yeux, est-ce que ça pourrait être utilisé dans n'importe quel domaine disciplinaire? On a parlé aussi de médecine avec le colloque du CHU de l'Université de Rouen. Est-ce qu'à tes yeux, dans d'autres domaines disciplinaires, on pourrait utiliser le jeu? Est-ce qu'il y a des limites là? Le jeu ou le jeu de rôle? Le jeu de rôle, les jeux de simulation, en tout cas tout ce qui est gamification. La ludopédagogie, à mon avis, est déjà utilisée depuis très longtemps dans toutes les disciplines. Il y a certaines disciplines qui s'y prêtent peut-être un peu mieux, ou en tout cas qui sont plus aisées à mettre en œuvre. C'est vrai que pour l'anglais, je vois effectivement donc Alcino qui nous passe un lien. Alors, c'est intéressant parce que je vois que ça provient de l'appli UT, et on a présenté les jeux de rôle justement à l'appli UT en 2016. Donc, je regarderai si c'est avant ou après. Mais effectivement, on a abordé pour la première fois, on a présenté donc l'utilisation des jeux de rôle en anglais au sein de l'appli UT. Bon, appli UT, pardon. Donc, sur la ludopédagogie, je ne vois pas de contraintes particulières par rapport à une discipline. Je voudrais juste quand même rajouter que souvent, on a tendance à dire « Ah, c'est les étudiants, voilà, n'ont pas envie de jouer. » Alors, c'est peut-être que, voilà, il y a des disciplines mm-hmm. aussi. Il ne faut pas voir simplement de la dimension, à mon avis, du jeu en tant que tel, mais est-ce que les étudiants sont prêts à jouer? Alors, attention là-dessus, je dis ne nous mettons pas une balle dans le pied. Il y aura toujours quelques étudiants qui seront contre le jeu, hein, et donc peut-être que certaines disciplines, il y en aura un petit peu plus, mais globalement, l'idée, c'est vraiment de proposer des méthodes actives qui peuvent remplacer des TD ou des séances un petit peu plus transmissives. Et dans tous les cas, dans la ludopédagogie, on embarque plus de monde que dans une méthode transmissive pure. Hein. Donc, je dirais que dès qu'on met de la méthode active, et peut-être encore plus la ludopédagogie, les apprenants doivent obligatoirement s'engager dans cette méthode, c'est l'objectif. Et finalement, on a parfois des apprenants qui n'ont pas envie de s'engager. Hein. Donc, c'est plus globalement le ressenti de l'apprenant face au savoir qui est important plutôt que la dimension ludique. En tout cas, c'est ce qui me semble. Voilà. On n'a pas eu vraiment, dans toutes les expérimentations qu'on mène depuis 2010, on a eu quelques cas d'étudiants qui étaient contre le jeu en tant que tel, mais en réfléchissant, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que c'était plutôt effectivement l'engagement dans une activité, pour le coup, active, qui leur posait des problèmes plus que le jeu en tant que tel. Super. Alcino, est-ce que tu souhaites poser tu as deux questions. Est-ce que tu souhaites les poser en direct? Je ne sais pas si. Bon. D'accord. Donc, je vais poser les questions d'Alcino. Donc, Alcino nous dit « Mon sentiment, c'est que le jeu est moins facile à mettre en œuvre pour apprendre des notions complexes que des notions simples. Qu'en penses-tu ?» Intéressant. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il est plus facile à mettre en œuvre pour des notions complexes que des notions simples. Mais ça, on va dire que c'est le parti de ma discipline qui est du management. Donc, effectivement, quand je mets une situation de gestion au travers du jeu, on est plutôt sur des compétences complexes, puisque là, l'étudiant va tout de suite devoir animer une équipe de 10 à 12 personnes. Donc là, on est sur des compétences complexes, plus que des connaissances simples, compétences simples. Mais effectivement, peut-être que ça dépend vraiment de la discipline et je ne suis pas catégorique, je parle plutôt de ma dimension où effectivement le jeu est plutôt dans les méthodes ou dans les compétences, vise plutôt des compétences complexes. En tout cas, les deux que je vous ai présentés ici, qui est le jeu de rôle et puis le wargame. Bon, pour le coup, ce qui est vraiment important, ce qu'il faut retenir dans cette dimension des compétences simples ou complexes, c'est que tout se joue dans le débriefing. Hein.
ce n'est pas le jeu en tant que tel qui va faire apprendre, c'est bien le débriefing. Donc, le débriefing durant quasiment aussi longtemps que le jeu, on peut tout à fait revenir sur des connaissances ou sur des compétences simples ou des compétences complexes. C'est vraiment le déroulé du débriefing. D'ailleurs, il existe plein de méthodes structurées du débriefing. On utilise, en tout cas, moi, j'utilise des méthodes structurées de débriefing pour justement, avec des grilles de lecture théorique, pour justement aller chercher ce qui s'est passé, faire des liens entre ce qui s'est passé dans le jeu, la théorie, pour ensuite la contextualiser. Donc, on peut tout à fait revenir sur des notions simples, sur des notions complexes, mais l'idée, c'est qu'après, on recontextualise dans le débriefing pour que les étudiants soient capables de transférer leurs connaissances et compétences dans un contexte, pour le coup, réel. Donc, en fait, c'est vraiment ce débriefing. Donc, je dirais que simple, complexe, je ne sais pas. Ça dépend vraiment comment on va piloter le débriefing. Et bien sûr, comment on a prévu sa séance. Mais sur le débriefing, c'est vraiment l'aspect le plus important où là, on va pouvoir aller sur, à mon avis, toutes les dimensions de la compétence, qu'elle soit simple, complexe, ou même de la connaissance très théorique. Super. Et du coup, si je rebondis sur la question d'Alcino, justement, moi, j'avais une question pour toi sur le débriefing, donc c'est parfait que tu en aies parlé. Je te remercie. Et si je rebondis sur sa question, concrètement, pour mettre en pour passer certaines notions, je sens un point de blocage et je veux mettre en œuvre un jeu. Quelle préparation ça nécessite et puis quels sont les immanquables, entre guillemets. Donc, tu as évoqué le débriefing. Est-ce qu'il y a d'autres choses à tes yeux? Alors, en fait, tout va dépendre aussi de la technique ludopédagogique mise en œuvre. Donc, par exemple, pour un point très précis de connaissance, il peut y avoir le bon serious game qui a été conçu spécifiquement et qui permettra, qui fera tout à fait le job. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, si c'est sur des compétences un peu plus complexes, eh bien là, on ira chercher du jeu qui existe déjà, peut-être. Comme ça, on pourra le mettre en œuvre. Mais globalement, et je pense qu'il faut quand même une culture ludopédagogique assez importante pour savoir quelle va être la technique ludopédagogique qui est la plus adaptée pour répondre au blocage que tu cites, hein, ou finalement à la connaissance que tu veux transmettre ou la compétence que tu veux faire développer. Donc, définir, se positionner sur ce choix des techniques. Et ensuite, si vous prenez par exemple le Serious Gaming, là, il va falloir faire des expérimentations avec le jeu, il va falloir apprendre les règles du jeu soi-même. Donc, ça demande beaucoup plus de temps, clairement, que faire un simple PowerPoint. Mais je reviens encore, tout va se jouer dans le débriefing et les discussions informelles qui peuvent aussi avoir lieu entre la fin de la simulation ou du jeu et le débriefing. Là, il y a toute une partie à structurer qui est vraiment importante. Voilà, mais déjà, le choix de la technique va être une réponse qui peut être plus ou moins simple. Mettre un serious game en place qui répond exactement à la problématique, finalement, c'est extrêmement simple de mettre un serious game, d'autant plus s'il est numérique. Et puis, je dirais à l'opposé, si vous voulez vraiment faire développer ou mettre en œuvre des compétences complexes, eh bien là, on va aller chercher des jeux existants comme les wargames pour War Management. On va se les approprier et ensuite, on va les amener en classe pour faire jouer la séance. Alors attention, les règles sont parfois très complexes, que ce soit pour les jeux de rôle ou pour les wargames, mais finalement, pour n'importe quel jeu. Et là, effectivement, l'enseignant, le facilitateur, on l'appelle comme on veut, va devoir s'approprier les règles et proposer aux étudiants des règles allégées. Donc, s'il y avait un point aussi, un autre point, tu vois, en dehors du débriefing, c'est vraiment s'approprier le jeu et le préparer pour que ça ne prenne pas toute la séance de jeu à découvrir les règles. Super, je te remercie. Et puis, je t'entends plus, Nathalie. Est-ce que vous m'entendez? Pas très bien. Ah, mince, je n'ai pas changé de micro, j'ai rien fait. Je vais rapprocher.
Vas-y, reparle, peut-être. Non, t'es Ok. vraiment... T'es parasité, ouais. D'accord, bon, mince. Ah, ça va mieux. C'est mieux là? Un peu mieux, ouais. Ok. Ce que je disais, ce qui était important, c'est justement la question de l'alignement pédagogique dans ce que tu mentionnais. Et finalement, l'idée, c'est de ne pas utiliser un jeu pour utiliser un jeu, mais c'est d'utiliser un jeu qui va nous permettre d'atteindre les objectifs pédagogiques qu'on s'est fixés. Et donc, de là, c'est important. Donc voilà, j'ai donc il nous reste 7 minutes, un peu moins de 7 minutes. Donc j'ai une autre question d'Alcino qui dit on peut faire du drill, de la répétition pour faciliter la mémorisation, mais sorti de ça, c'est plus difficile de faire du rentable. Est-ce que tu es d'accord? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par rentable. Pour moi, rentable, oui, merci, répond, rentable en termes de temps. Alors là, je suis à 100% d'accord avec Alcino. La question est de se poser, c'est qu'en mettant un jeu, donc, en fait, c'est n'importe quelle méthode active. Une méthode active, forcément, va prendre plus de temps que passer 200 diapos et 200 informations théoriques. La question est de savoir si... Est-ce qu'à la fin des 200 diapos, il y a plus de mémorisation qu'à la fin de l'exercice de pédagogie active ou ludopédagogie qui en prend peut-être que la moitié? Bon. Clairement, en termes d'apprentissage en profondeur, on aura beaucoup plus de résultats positifs avec une méthode active et une méthode ludopédagogique, plus que par rapport à du PowerPoint. Mais il est vrai, et là je suis d'accord avec Atsino, il est vrai que on est obligé de réduire la quantité de connaissances à transmettre, mais le prix est intéressant puisque celle qu'on va réussir à transmettre sera mieux retenue et en tout cas plus en profondeur. Donc là, effectivement, et c'est pour ça que je tenais à dire que c'était un petit peu artificiel ce que je disais avec mes 9 techniques ludopédagogiques et le jeu, c'est vraiment tout le dispositif qui est important. Le jeu peut être intégré, comme je fais moi, dans toutes mes sessions. Je ne fais plus que du jeu, mais on peut en mettre qu'à certaines parties, etc. L'idée, c'est vraiment de proposer en parallèle aux étudiants, peut-être voilà, des lectures, peut-être faire un peu de classe inversée aussi, pour compenser ce qui, de toute façon, ne serait pas passé avec les diapos, hein, les slides. Voilà. Donc, dans les cours où j'intègre, moi, de la ludopédagogie, j'intègre, on va dire, ce qu'on l'apprentissage et les apprentissages critiques, ce que je veux absolument que l'étudiant retienne, mais d'une manière vraiment ancrée et pas simplement répondre à un questionnaire. Et puis tout le reste, voilà, me dit ben, peut-être que c'est moins important pour mes objectifs pédagogiques. Je préconise des lectures, je fais un peu de classe inversée, et par contre, j'évalue lors, par exemple, du partiel sur ces domaines-là aussi. Hein. Donc, effectivement, il faut faire un peu le deuil de toute la connaissance qu'on souhaite transmettre par défaut pour un cours, mais au prix quand même de faire d'aller plus en profondeur sur les apprentissages critiques que nous avons identifiés. Super, je te remercie. J'espère que vous m'entendez. J'ai mon collègue Julien qui te pose la question, que penses-tu de la mode des escape games et dans quelle catégorie est-ce que tu les classes? Ah ben, c'est très simple. Si l'escape game a été conçu spécifiquement pour répondre à une problématique pédagogique, c'est un serious game. Si l'escape game existait préalablement et que, par exemple, on amène son équipe pour faire du management, hein, c'est vraiment dans un escape game existant, on est sur du serious gaming. Mais là, on peut aussi le pratiquer. Si, par exemple, vous mettez plusieurs équipes en concurrence, c'est de la gamification. Hein. Donc, on peut le mettre un peu où on. Enfin, il peut rentrer dans différentes catégories. Ce qu'il faut vraiment retenir là-dedans, c'est qu'un outil comme un serious game ou autre nécessite un dispositif totalement différent, puisque le serious game répond à une problématique préexistante, alors que le serious gaming, on va aller chercher des jeux pour répondre à une problématique également préexistante, mais le jeu, lui, on va l'adapter. Donc la didactique préalable est totalement différente. Le serious game, c'est fait. Le serious gaming,
c'est nous qui avons un travail en tant qu'enseignant beaucoup plus important à mettre en œuvre. Si on va sur un science game, sur un escape game qui existe, eh bien, ça va nous demander de discuter avec les concepteurs, etc. Alors que s'il a été défini, conçu spécifiquement pour répondre à un besoin pédagogique, bah, globalement, on y va. Il y a l'animateur qui est peut-être même pas nous qui s'en occupe. Et voilà. Donc, vous avez vraiment un agencement pédagogique qui diffère, effectivement, si c'est un science game ou si c'est autre chose. Super, je te remercie. Donc, il nous reste 2 minutes pile poil. Voilà, peut-être le temps, je ne vois pas de dernière question. Donc, moi, j'ai trouvé intéressante à parler, en fait, que l'avantage de la ludopédagogie, c'est que ça décontextualise l'apprentissage et ça permet un lâcher-prise auprès des étudiants. Je te propose de conclure là-dessus. Il nous reste moins d'une minute. Ça va couper probablement de façon inopinée. Donc voilà, merci à tous. Merci à Philippe. Et puis, je te laisse le dernier mot. Merci pour cette invitation. Et puis, effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est tout le dispositif qu'il faut mettre en œuvre et pas simplement le jeu. Il faut réfléchir sur l'avant et l'après. Et effectivement, la décontextualisation du monde permet aux apprenants de profiter pleinement de la connaissance qu'on veut leur transmettre. Super. Merci à tous. Alcino nous partage d'autres informations. Donc voilà, j'essaierai de résumer tout ça dans un mail. Surtout, n'hésitez pas à contacter Philippe si vous avez d'autres questions. Donc voilà, on s'était entendu avec Philippe que c'était une possibilité. Donc voilà, l'issue de ce webinaire. Ce webinaire sera retransmis aussi sur la cartographie. Donc, tu auras peut-être des questions de personnes qui le verront en différé. Merci à tous d'avoir participé. Merci à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. À bientôt pour un autre webinaire. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.